Coucou et bienvenue pour un tout nouveau let's play sur Stumble. Du coup c'est Suzucube là. Stumble Guy. En fait, Fall Guys n'est pas disponible sur mobile. Voilà. Donc ceux qui se demandent comment faire pour avoir Fall Guys sur iOS ou Fall Guys sur Android, c'est simple, ce n'est pas possible, littéralement. Par contre, tu peux avoir ce jeu, il s'appelle Stumble Guys, que j'ai découvert sur GameCube. Allez, je veux ça. Oh le connard. Ah mais non, mais là c'est chaud, faut payer... Faut regarder une vidéo pour payer. J'ai reçu un jeton S. Donc, en gros, j'ai reçu de la merde. Mais c'est pas grave. Je vais personnaliser un tout petit peu mon perso. Je vais juste être un garçon ou une fille. Ah ouais, je peux vraiment être noir de chez moi. Animation a l'air claquée. Ok. Je vous fais pas attendre plus longtemps. C'est parti pour une première partie. T'as les 32 joueurs, ça va très vite. La musique elle est pas ouf. Franchement, ça on dirait Fall Guys. C'est tellement copié de Fall Guys. C'est pas super bien optimisé. Vraiment, tu sens que ça rame des fois. Je pense qu'on peut glitcher un peu le jeu. Oh. Pas autant. Merde. Mais la musique, la boucle elle est mal faite, putain. Les gars, vous aviez un. Non. De toute façon, on est éliminé. Vous aviez un boulot à faire. La musique, bordel. La musique elle est nulle à chier, bordel. La plupart des gens qui sont là, ils ont même pas changé leur nom. Non, mais je veux pas payer 2,99€. Vous savez que ce jeu a fait 6 millions d'euros de bénéfices depuis son lancement. Que je relise, je sais même pas si depuis son lancement. 50 millions de joueurs, hein, Fall Guys, hein, depuis qu'il est en free to play. Et ce jeu-là, je crois que c'est 10 millions de joueurs. Non, 32 millions. 163 millions de téléchargements. Et en fait, il a gagné 6,6 millions de dollars en un mois. Car depuis que Fall Guys est passé en free to play, ce jeu a réussi à faire 6,6 millions de dollars de bénéfices. On va y arriver cette fois-ci. Voilà. Mais en vrai, c'est pas... On va pas se mentir, c'est pas hyper mauvais. C'est pas forcément mauvais comme jeu.
Plagiat, bordel. Plagiat échoue. Et en termes de Karadzian et tout, bon... C'est pas ouf. Vous avez bien vu, j'ai bien essayé d'agrandir l'écran, on peut pas. La musique, elle est... En vrai... Je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de gens qui y jouent. Round a été traduit par Ron. Tout a été traduit automatiquement, en fait. Ils ont traduit tout automatiquement. C'est triste, hein. Par contre, ce jeu, il fait voir que Fall Guys en mobile, ce serait exceptionnel. C'est exactement Fall Guys. Si on en met 3, on est tranquille. Putain, les gars, on aurait pu foutre 3 buts là dans leur gueule. Et c'est bon, là, on est assuré. Elle a fait perdre en plus. La musique est insupportable. Vous savez que la musique est attachée dans une banque de musique gratuite. Laser Tracer. Évitez les lasers. Il m'a poussé. Le fameux, mais il m'a poussé, mais c'est vrai. Ah. Eh, laser, il te désintègre, quoi. Eh, hey, Iman, t'as l'air fort, toi. Top 1. Je gagne quoi avec mon top 1? Apparemment, je gagne. Il y a un skin aléatoire. Évidemment.
pour activer le pass, je paye 1200 stubble, je sais pas quoi. Ok. Bah écoutez les amis, moi je vais m'arrêter là. C'est bizarre comme jeu. T'as quand même des dotations là et tout. T'as même des tournois, c'est ouf. Il y a récompense gratuite, mais je vais pas la prendre parce que sinon je vais vous faire voir une pub quoi. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à tous les otaku, merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez besoin de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, bye bye.